Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir pour nous informer. Bienvenue dans la dernière sortie du journal Mitan Journée pour semaine ça sur la télévision nationale d'Haïti. Qui j'ai condition temps pour jeudi vendredi 11 mai, c'est Konya avec collaborateur nous, Wilner Polidor. Wilner, bonsoir. Nous, vendredi 11 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble. Nous sommes en début de week-end. Nous disons bon week-end à chaque monde et situation a commencé stable sous pays avec beau temps cap rentrer et en alwa qui ça fait ça. Nous gagnons une zone de haute pression qui commence à installer vraiment sous toute région Caraïbe, surtout Caraïbe centrale là dont Haïti, mais au niveau de façade ouest ça, disons entre Haïti et Cuba, gagnons prolongement de encre qui crée une instabilité sous région sud pays d'Haïti et aussi sous golfe de la Gonave avec le nord-ouest. Mais pour le reste du pays, non seulement c'est beau temps pour aujourd'hui, mais beau temps pour demain et dimanche. Nous avons un bon week-end avec bel soleil, surtout sous département nord avec nord-est, le centre et la Tibonite et même département de l'ouest. Mais pour la région sud, là, commencer à toujours gagner quelques petites activités là. Mais activités là, ça aussi plus en soirée par rapport avec petite faiblesse qui trouve au niveau de façade ouest pays d'Haïti. Mais pour pays A ou bien pour l'ensemble du territoire national, c'est pour du beau temps avec anticyclone qui a généré un temps venteux et ensoleillé sous pays A, non seulement pour jeudi A, demain après-demain, mais toutefois il y a quelques averses isolées, moins bien dit isolées, qui étaient possibles sous certaines régions pour Astroya et au cours de l'an, surtout sous région sud pays d'Haïti. Pour capitale là, c'est un capitale qui a eu beau temps avec une journée qui était ensoleillée et venteux, mais toujours une possibilité pour gagner quelques petits averses isolées en soirée et au cours de l'an sous certains quartiers. Tout quartier pas concerné, mais gagner quelques quartiers qui sont concernés par quelques activités la vie, surtout au sud de Port-au-Prince. Et nous avons une température aujourd'hui qui est montée jusqu'à 35 degrés, il fait très chaud. Jodi a, et puis par la baisse en anglais, c'est 22 degrés Celsius. Encore à soir, on a senti effet de chaleur au cours de nuit. Là. Et pour la mer, c'est une mer qui est agitée sous côte nord à cause de zones de haute pression qui ont vent qui très fort cap souffle. La mer est très agitée, même jusqu'à faute sous côte nord. On a demandé capitaine de précaution avec prudence. Mais pour golfe de la Gonâve avec côte sud, c'est par rapport à la pluie que nous pouvons être capables vraiment réduire visibilité à capter quelques précautions, mais pour l'ensemble capable de naviguer, seulement il faut éviter le large. Et pour page astronomique, je dis à ce moment-là, coucher à 7h15 et la pleuvait d'un matin à 6h16. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous, encore une fois, un bon week-end. Nous avons croisé lundi pour une autre page météorologique. Merci Wilner, bon week-end à vous même tout. N'a démarré avec information yo 6 mois après président République la Jovenel Moïse te relancé processus travail réhabilitation piste atterrissage airport international Toussaint Louverture responsable regroupement Vob et fils ak compagnie Azelio a continué faire effort pour respecter délai pour remettre travail là dans mois septembre k'ap vini là responsable chantier yo fait remarquer l'appli k'ap tombé souvent pendant semaine ça. Et puis question sécurité aéroportière, bay quelques retards dans avancement chantier a. Ingénieur Fritz Chéri, responsable étude et topographie, et puis ingénieur David Baron, responsable travaux, a répondu question Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. En résumé, travail qui est dans le projet 1, donc c'est mettre à norme et piste et aéroport. Donc c'est nous gagnons dans un premier temps pour que nous soyons capables de mettre en ordre la piste aéroport là, et puis dans un second temps pour que nous soyons capables de réhabiliter tout le système électrique pour l'aéroport là. Et qui ça travaille ça au tas de permettre nous faire? Qui avantage qui gagne dans le travail ça? Donc avantage qui gagne dans le travail ça, donc permettre que nous soyons capables de mettre la piste aéroport international tout Saint-Louverture là, capable de rentrer dans les normes internationales. Donc ça fait que nous gagnons un aéroport qui est dans la catégorie et 4D. Donc qui c'est et on nous connaît que l'aéroport international c'est le principal aéroport que nous gagnons. Donc c'est le plus gros aéroport que nous gagnons. Donc la permettre que nous capable et recevoir une série de catégories de avions que nous pas pas capable de recevoir avant. Ah bah là, nous connaît le commencer déjà depuis environ 6 mois il relancer. Pendant le relancer à qui ça fait déjà? Donc ça qui fait déjà et alors dans structure chaussée que nous gagnons pour faire nous gagnons pour nous dans un premier temps et mettez profil en travers et piste là
dans le norme. Donc ça que nous faisons déjà. Et dans un second temps, nous avons gagné pour nous mettre deux couches de structure. Nous, à 90%, nous avons mis une couche que nous avons gagné pour nous mettre. Nous avons pour que nous mettions la deuxième couche de structure, là, qui est la dernière couche, qui pour permettre que l'avion soit capable de circuler normalement sur le piste aéroport. Nous avons besoin de reconstruire accotement. Chaque côté est en bord renoué. Et c'est ça qui prend en plus de temps. Donc nous mobiliser en plus de machine pour excaver, restructurer, reconstruire structure sur chaussée. En 6 mois, c'est qui ça qui est plus difficulté nous rencontrer dans le cadre du chantier ça? En plus de difficulté, ça, c'est un aéroport international sous trafic. Donc ça qui est important pour nous, c'est que le trafic là, il stoppe dans la nuit. Et nous démarrer le travail là dans 9h du soir jusqu'à 6h du matin, AM. Et la plus grosse difficulté, c'est la sécurité aéroportuaire. Donc, principale confrontation, c'est que la piste est libérée, est propre, pas de roche, pas d'objet qui est traîné sur runway, pour pas que nous ayons un accident avec avion. Et avec AN, nous travaillons avec AN et puis mission de contrôle qui est à l'aéroport de Paris, pour que chaque matin, la piste est libérée, est propre, et que le trafic puisse recommencer à 6h du matin. Mais nous connaissons le mois de mai, il y a un pile la pluie qui est tombé. Est-ce que nous ne craignons pas que la pluie à tout, nous nous fie la hauteur? Bon, la pluie pour nous est une difficulté, ça c'est clair. Et c'est problème que nous avons, même à soir, risque de pluie là, est fort. Et c'est pour ça que nous limitons le travail dans l'exécution. Le chantier est capable de ralentir un petit bagage. Et pour recommencer plus fort dans le mois de juin. Et qui s'accrète pour faire comme travail? Qui ça? Qui ça qui était pour faire comme travail? Le reste à faire. Le reste à faire. Ça qui était sous chantier et principalement à faire élargissement. Et nous sous 6300 mètres. Longueur totale piste c'était 3000 mètres. D'accord? Et nous terminer avec accotement d'ici fin juin. Nous avons besoin encore faire moitié de la piste encore, dans élargissement accotement et revêtement final là. C'est beaucoup de travail. Est-ce que vous pensez dès les 6 mois, nous avons bien temps de livrer marchandises là dans délai ça, nous avons jusqu'à septembre pour nous remettre travail là? Effectivement, et nous manquons temps, ça c'est important. Le chantier officiellement est terminé dans le mois de septembre. Donc nous avons temps encore terminé. Le seul bagage qui restait, c'est revêtement final avec élargissement sur moitié piste, sur mi-temps piste et affaire d'éclairage que nous déjà installé. Éclairage définitif. Nous déjà dans moitié exécution là. Merci Sabine et Jean-Naël. L'autre dossier député circonscription Kinskofla, Alfredo Antoine, fait qu'on est membre commission bicamérale qui tape travail sous question représentant parlement dans conseil électoral permanent, déjà déposé rapport dans le secrétariat général Assemblée nationale là. Député a dit bureau Assemblée nationale là t'as dû convoquer pour décider sous 3 noms moun qui pral fait partie conseil là, parmi 21 moun yo soumet nan rapport a. Yon extrait nan micro Kolo Elizier ak Moïse Wilbridge. Nous déposons depuis lundi dans le secrétariat exécutif du bureau de l'Assemblée nationale. Donc maintenant c'est président, les présidents de l'Assemblée nationale, les présidents et vice-présidents de l'Assemblée nationale qui a bien pour convoquer et l'Assemblée nationale spéciale pour statuer sur choix 3 mounes qui doivent faire partie du Conseil électoral permanent. De 1987 à date, pays a connu passé plus que 18 conseils électoraux provisoires. Donc il est temps maintenant pour que nous passions vers le Conseil électoral permanent qui jouait un rôle capital dans la question élection, consolider pouvoir démocratique pour élu, pour remplacer, pour faire élection. Donc Conseil électoral, le Conseil électoral en soi joue un rôle permanent dans la stabilité démocratie. Donc faut Conseil monter. Nous connaissons bien que c'est chaque pouvoir selon la Constitution amendée. Il y a 3 pouvoirs, le CSPJ, l'exécutif
et le pouvoir législatif, chaque abaye trois membres conseil électoral permanent, rapport que ancien bureau Assemblée nationale qui était composé de sénateur, l'honorable sénateur Youri Latortue et le député qui était fait office de vice-président Scholzer Chancy, qui monté une commission spéciale qui travaille sur le conseil électoral permanent. Donc nous soumettre rapport au secrétariat exécutif de l'Assemblée nationale, donc plaise au bureau actuel de l'Assemblée nationale pour que vous fixez date là pour le conseil électoral permanent. Recommandation, il y a plus que 40 postulants monde qui étaient inscrits et selon critères d'éligibilité l'ISLA a gagné 21 monde qui rivait répondre avec critères d'éligibilité au regard de la Constitution et les lois de la République. Ou t'as suivi précision député circonscription Kinskofla Alfredo Antoine. Yon rencontre qui te prévoit jodi a entre membre commission agriculture chambre député a ak certains dirigeants compagnie téléphonie mobile Natcom sous parole qui fait que Natcom t'a introduit yon semence diri nan Latibonite qui pas respecté aucun norme pas rive fait malgré quelques dirigeants Natcom qui te présent dans parlement rencontre l'an pat organisé à cause responsable Natcom yo te vle seulement rencontrer président commission an. Yon extrait nan micro Fedner confident ak Moïse Wilbridge. Gagné deux Vietnamiens qui étaient venus là matin. Gagnon, c'est le vice-directeur de la Natcom. Il dit non, c'est vice-directeur de la Natcom. Et c'est comme ça. Et lorsque ils sont entrés, membres de la commission sont entrés, notamment de prendre siège. Et ils ont dit qu'ils n'ont pas pris siège, mais ils ont parlé avec le service protocole, c'est avec le président de la commission qui a besoin. Mission, c'était venu, ouais, président de la commission. Or, c'est un bagage que nous avons plus que deux mois que nous avons parlé. Troisième mois nous et nous voulons que pour nous avoir information de ce mois qui est introduit qui distribué sans autorisation du ministère de l'agriculture qui passait dans les pas des douanes c'est dans le contribuable nous avons besoin de plus d'informations mais nous pas décidé chita lorsque nous disons au principe nous dit non c'est simplement président nous capable de dire ça c'est certain c'est que si nous avons président nous allons chercher corrompu c'est ça que nous dire que c'est une tentative de corruption lié et tout parler que nous parler avec yo yo bable chita yo excusez nous et maintenant lorsque vous allez nous dire que si vous besoin rencontrer la commission faut que écrit le bureau de la chambre des députés formellement et laisse ça bureau capable demander que pour nous rencontrer avec Natcom donc c'est bagaille ça li parler en pile et pendant plusieurs mois nous gagner toute information yo test laboratoire de ce mois là les que le ministre de l'Agriculture a écrit, il dit qu'il n'y a pas d'autorisation pour introduire. Distribution qui fait, le ministre a confirmé qu'il y a 11 sacs que l'on recevait de la Natcom, sans fiche technique, sans pesticides de traitement d'origine. Donc, je pense que ça, c'est une guerre biologique. Et nous demandons, avec le commissaire du gouvernement, pour qu'il prenne charge, pour qu'il tende. Monsieur certain, si le commissaire l'a tende, il y a certaines informations que vous pouvez partager avec le commissaire pour nous confirmer totalement que. Ça qui a fait dans la vallée de l'Antibonite et dans toute zone qui produit du riz, eh bien, c'est pas un bagage qui fait, pas naïveté, c'est un bagage voulu que Natcom l'y fait. Merci Fedner, ak Moïse. Président directeur général groupe croissance lan Kessner Farel bay opinion sur l'idée gouvernement gagné pour ta assujetti prix gaz là et puis couper subvention yo habitier bay EDH. Kessner Farel croit li important pour gouvernement expliquer population an, importance décision ça yo façon pour éviter mauvais interprétation. Puis loin Kessner Farel encourager autorité yo mettez campé bon jan programme pour renforcer production dans pays a. Kessner Farel t'a répondre question Marie Dieudonne Heurtelou ak Henri Robert Chéri. C'est bon bah qui date dit nous ka remonter à 1995 côté que nous prend décision ça prix à la pompe les supposé dépendre de prix sur marché international là puisque nous pas fait pétrole et également taux de change là. Malheureusement les gouvernements en général les prix a descend. Il pas descend ni sur marché local là. Donc on y a l'heure dans une situation prix a monté. Donc il y a tellement de difficultés sur le plan financier, je parle de finances publiques, et bien qu'on y a retrouvé des investissements difficiles. Donc, on a tout à fait une raison. Il dit que le gouvernement, avec taux d'inflation qui est aussi élevé, qui a évolué entre 10 et 15% en termes de en rythme annuel,
Donc le gouvernement se retrouve en situation augmentée prix à la pompe. Ça veut dire inflation qui a augmenté. Et prix que nous avons déjà subi déjà sur les marchés locaux, capable de mettre dans une situation encore beaucoup plus difficile. Vraiment, je pense que c'est une pédagogie, une éducation qui n'a pas fait l'arrivée dans la situation conjoncturelle. Ça, vous êtes supposé former les gens pour montrer mais ça recette, mais ça dépense, mais qui impacte également sur la balance commerciale là, parce que y a les importations du pays, importation totale, en bien importation, ça a gagné importation un peu du pétrolier. Donc là, on prend deux variables, ça, budget avec balance commerciale là, tous deux agissent négativement contre Haïti, parce que nous ne pouvons pas exporter en pile, selon les chiffres avancés par la Banque centrale. Pendant le premier mois d'exercice fiscal que nous y est là, premier semestre là, nous avons importé pour plus que à peu près 250 millions de dollars américains par mois. Pendant nous avons exporté pour moins que 100 millions de dollars américains par mois. Donc nous regardons tout ça, ou nous regardons le déficit budgétaire là, selon Chibok Central là également. Il y a 8 milliards de gouttes d'entrée et 10 milliards de gouttes de sortie qui ont un déficit de 2 milliards. Donc là, on prend deux variables, ça, il y a le déficit jumeau et c'est lui qui va alimenter la pression qui gagne sur le marché local d'échange et également, on est capable de dire, sur taux et sous inflation en économie. Voilà la difficile situation dans laquelle on se retrouve, pas du gouvernement, le pays se retrouve aujourd'hui. Donc, le prix produits alimentaires a augmenté sur les marchés internationaux également. Parce que faut connaître que Haïti, pas vivre en base clos, nous avons un environnement qui a évolué là-dedans. Donc l'économie mondiale là, a marché bien, demande a augmenté, donc prix a augmenté. Parce que le plus facile pour nous demander bien avec service, qu'on fournit bien avec service là. Parce que depuis que nous avons augmentation de salaire, le travail peut le dépenser. Maintenant, offre là lui-même il réagit à un temps beaucoup plus long. Donc il y a un coup de réaction, nous avons bien comme la poche là, et tant que offre là pour vous satisfaire. C'est ça qui a passé sur le marché mondial là. C'est ça qui fait prix baril pétrole là augmenter. C'est ça qui fait prix produits alimentaires augmenter. Banque mondiale font étude sur ça. Mais en plus de ça, gagné n'a pas l'eau de laisser frapper qui gagne entre les États-Unis avec l'Iran. L'Iran sont un gros pays exportateur de pétrole lié. Donc si les États-Unis prennent sanction contre lui-même, il y a moins de production et comme demande n'a pas augmenté pendant l'été dans le pays qui puis avancé, particulièrement les États-Unis qui puis gros importateur de produits pétroliers dans le monde. Donc ça vient créer des déséquilibres dans l'économie. Merci Dieudonne ak chéri. Économiste Kessner Farrell ak Edier Emile organisé yon série rencontre sous forme conférence débat dans Université Kiskeya chaque mercredi ak quelques professionnels, étudiants ak entrepreneurs dans l'idée pour partager connaissances yo ak expérience yo. Pour semaine ça, c'est ancien gouverneur Banque Centrale là Charles Castel qui t'a intervenu sous défi problème croissance économique en Haïti. Yon extrait dans micro Rose Vanessa Pierre ak Jean Fleury. Toujours prend habitude d'inviter des gens qui dans des secteurs bien particuliers qui ont expérience dans la gestion, soit entreprise ou bien dans l'État, pour venir partager. Et à ce moment-là, nous faisons une invitation ouverte en format conférence. Et nous sommes très contents. La salle a été remplie, vraiment remplie. Il y a un pile de monde, un pile de jeunes qui sont de plusieurs côtés, professionnels, étudiants. Et donc, pour venir participer, je dis à nous parler sur les défis et sur le problème de croissance économique en Haïti avec l'ancien gouverneur Charles Castel. Donc nous croyons que c'est important pour que l'université a joué rôle, pour qu'elle fait débat fait, pour qu'elle fait échange fait, pour qu'elle fait partage d'expérience pour les gens qui jeunes, pas seulement à gagner des contenus qui totalement académiques, mais aussi pour qu'ils aient en contact avec des gens qui font pratique, qui ont expérience, question, qui sont capables de dire mais ça que tu fais, mais ça pour faire même les dans l'espace qui dirigé après décision. Donc nous croyons que nous allons continuer avec Syria mercredi prochain. Nous avons une prochaine conférence avec Thomas Lalim, qui a vécu au Canada, qui vient parler sur la question institution et sur développement. Donc nous espérons que nous avons encore un peu de monde qui vient supporter, qui vient partager, qui vient participer. Donc pour nous, encore une fois, c'est nous avons joué un rôle de réflexion. Et l'université a joué un rôle justement. Pour capable permettre qu'il y ait des problèmes de société qui viennent débattre ici et permettre que l'espace d'échange soit capable de porter éclairage pour que un meilleur comportement et de meilleures décisions capable de prendre au niveau pays. Vous avez suivi précision économiste Edier Emile.
Président Alliance parlementaire Haïti, APH, qui est groupe majoritaire dans la Chambre députée, Jean-Wilson Hippolyte, encourage l'exécutif à accompagner les parlementaires sous texte loi traitement et salaire policier. Député a fait connaître l'objectif texte loi, c'est pour permettre aux policiers de jouer plus d'encadrement pour être capable de répondre à service plus bien dans le pays. Un extrait dans le micro, Colo Elisère et Moïse Wilbridge. Nous avons réfléchi et proposé effectivement à ce que la police nationale, les policiers, les membres de cette institution, aient gagné un salaire qui descend et aient gagné un traitement qui est approprié à leur mission. Effectivement, et proposition de loi était en débat hier dans le Parlement. Et rapport sous proposition de loi était déjà voté, adopté, disons, par l'Assemblée. Et premier article dans le texte a été voté, mais au cours de vote, proposition de loi est après et camper pour que nous repensions pour qui ça, parce que nous connaissons selon la constitution haïtienne c'est l'exécutif qui doit fixer salaire. Ça veut dire gagner des interventions par des collègues députés qui t'apprennent et fait mention de incidence financière autour de la proposition de loi ça, nous comprenons, et que nous avons changé la proposition de loi sous forme de projet pour que nous soyons capables de demander à l'exécutif là pour qu'ils soient capables d'accompagner nous, permettant que les policiers gagnent un salaire qui descend et un traitement qui est approprié. L'autre dossier dans le journal la délégation Union européenne en Haïti organisée mercredi 9 mai dans Port-au-Prince, yon réception dans occasion fête Europe la. Réception ça déroulé en présence plusieurs ministres dans gouvernement haïtien, quelques parlementaires, défenseurs droits moun, directeurs médias, acteurs dans secteur culturel et artistique la, diplomatique et consulaire. Dieudonné Desrosiers et Jean Fleury pour un reportage. Réception ça a été occasion pour le ministre des Affaires étrangères qui la Régine Lamure, saluer l'effort de trouver l'Union européenne fait pour établir un climat à la paix et la sécurité sur le continent européen. Puis loin, le ministre Lamure profite de remercier l'Union européenne pour support l'hypothèse de Haïti, surtout dans le domaine infrastructure, développement rural et réforme l'État. Le ministre a souhaité Haïti et l'Union européenne continuer à collaborer pour prendre en compte les priorités du gouvernement haïtien. Le gouvernement croit fermement le principe de la redevabilité mutuelle dans un souci de transparence permettra à notre précieux partenariat d'être plus efficace. Monsieur l'ambassadeur, au nom du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, je souhaite que cette fructueuse coopération s'intensifie et que les relations entre Haïti et l'Union européenne se resserrent davantage pour le bonheur de tous les Haïtiens. Je formule le vœu que l'Union européenne puisse continuer à promouvoir les idéaux de justice, de paix et les valeurs communes que sont la démocratie, la liberté d'expression, les droits humains, par le renforcement de la lutte contre la discrimination, par la promotion et la défense des droits des enfants et des femmes, par l'intensification des efforts d'assurer le respect des droits politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les peuples. Chef délégation Union européenne en Haïti, Vincent Desjeres, encourage l'effort Lydie, administration Moïse et gouvernement Lafontaine fait pour combattre la corruption dans le pays. Dans l'ITSA, diplomate Lafontaine connaît l'important pour pouvoir exécutif là, mettre moyen dans les autorités judiciaires et la police, une façon pour traîner coupable devant la justice. Dans le même sens, ça,
Les promettre l'Union européenne à courir diverses initiatives gouvernement. L'Europe est prête, par son appui budgétaire qu'elle vient de renouveler à hauteur de 8,3 milliards de gourdes et par son expertise, à partager avec Haïti ses expériences en matière de politique macroéconomique stable, de fiscalité plus inclusive et de modernisation des administrations toujours plus proche et plus à l'écoute des besoins des citoyens. Car ensemble, nous devons aussi affronter une autre grande entrave au développement, qui, au vu de l'actualité européenne et haïtienne, n'épargne aucun pays ni personne, à savoir la lutte contre la corruption. Dans ce contexte, je veux aussi saluer l'engagement du président de la République et de l'ensemble de l'exécutif, qui a placé la lutte contre la corruption au cœur de ses objectifs prioritaires. Laissez-moi ici, encore une fois, réitérer que dans ce combat, vous trouverez aujourd'hui, vous trouverez demain, l'Union européenne à vos côtés pour accompagner les efforts de l'État et de la société civile. Pour réduire ce fléau, un fléau si dommageable pour l'économie, les fondements démocratiques et le bien-être des citoyens. Fête Europe-là ou Jour Europe-là, célébré 9 mai chaque année dans l'État qui membre Union européenne, dans l'idée pour commémorer la déclaration Schuman 9 mai 1950 l'an. Discours ça, qui considéré comme texte fondateur Union européenne, te présenté proposition une organisation Europe qui doit établir relation à la paix dans le continent. Merci de Rosier ak chéri. Député circonscription Maïsadla Jean-Louis Romel Bogé rassuré moun commune promesse président République là té fait sous construction pont sous rivière Rio Flioa a respecté. Député Bogé qui dit li reconnaît situation moun yo difficile la pli tombé pour traverser rivière promet li pral rencontrer ak président sous dossier ça. Yon extrait nan micro Fedner confident ak Moïse Webrich. Le gros, c'est question de rivière Rio Frio. Rivière Rio Frio, c'était UTE qui était dépendant du ministère Finance qui était sous contrôle travail ça, qui tape qu'un travail ça. Mais qu'il y a là, avec lenteur qui vient là, qui vient là dans l'île, donc UTE transféré couliant les travaux avec on sait l'autre section dans travaux publics. Donc qu'il y a là, c'est travaux publics qui prend au voisin. Donc à date que nous parlons là, il y a 7 films qui bidé sur les trois dallos pour question pont sur Rio Frio et pont Paz Bonbon, son appel d'offres international Velier. Je crois que pour les dallos, appel d'offres sorti dans 7 à 8 jours, que nous avons que tout fini, il y a un film qui finit et il va remettre l'eau pour nous bon, et on souffre à question route. Ça. Et président, la promesse que le fait, président lui-même, c'est question route. Oui, président Paris, Jean, que mardi encore, je suis en contact avec elle pour me démontrer l'image. Jodi, là, je regarde et Maïssa, dont mon a deux femmes enceintes qui étaient besoin de traverser la rivière, pas capable, c'est hélicoptère, je suis obligé de faire Alprayo, c'est l'ambulance là, qui est Alprayo, grâce à Dieu, tout le monde est sorti sain et sauf. Donc, moi, je dis que le problème est en pile, il est grave dans Maïssa, question consorie au FIOA, et je souhaite que. Et au niveau avec le ministre Caro que me parle ensemble avec le matin que malheureusement avec les manifestations pas de arriver dans le bureau là-temps donc nous avons ti et rencontre encore pour nous faire pour nous voir que qui a accéléré dossier ça pour permettre que et moun yo ralenti face avec question là puis cap tomber là jodi en sur besoin antenne Maïssad est extrêmement difficile. Ou tab suivre déclaration député circonscription Maïsadla Romel Bogé responsable service entretien IBEN Acriral dans ministère travaux publics transport et communication ingénieur Joaseus Nader chita parlé jeudi 10 mai ak moun kap viv nan zone Blanchard sou route Babancourt chita parlé sa fête après moun nan communauté a tap manifesté pour mandé construction route nan zone sa ingénieur Joaseus Nader fait population a konnen travail construction route Bakon a démarré lundi 14 mai kap vini la ensuite. Lundi, on a commencé route. Il a parlé de Richard Métou, il y a des ministres, des qui disent qu'il y a des moyens. Donc, on a pris parallèlement. Sinon, si Mérian a des moyens pour commencer à niveau, on a commencé parallèlement pour nous faire la population et satisfaction. Lundi, c'est qui ça nous va faire rapide là, lundi? On a commencé avec Caniveau, on a fait le topographique déjà, implantation Caniveau pour avancer. Et route là, on a fait la bébé, on a étudié un bon système de drainage pour lui. Pour permettre écoulement d'eau en fait normalement et puis pour route moun route Blanchard satisfait de route ça à travaux publics à faire premier jour mandé route là et pas premier jour à joindre faut étudier la fait
importe toute étude de relevé topographique la fait, étude de drainage la fait, et en même temps qu'on y a pour venir pour jouer un coblan, c'est pour un bagage même genre un bail privé, que m'a dit coblan dans le tiroir, manique fait et puis mal fait. Moi, je souhaite au cas de calme, je comprends le besoin, je comprends que je suis dans une situation, je ne suis pas fait responsable de confiance, mais il ne faut pas comprendre que faire un route son bail au cranic dit, faire route là, c'est pour un patchage. Si vous me faire patchage ni route neuf là, je suis en robe, je commence. Mais si vous me faire route blanche là, il faut me faire étude là, il faut me faire relever topographique là pour m'avancer. Pour la population, je ne sais pas, je suis confiant, route là, elle a démarré et puis elle a fait. De toute manière, elle a commencé. Route yo. Mon arrivé, les amis téléspectateurs, pour nous observer un coup de pot dans le journal là, pas déplacer, Naptoné. Merci pour fidélité au TNH. Dans la page internationale là, États-Unis annonçaient plusieurs sanctions qui liées à l'Iran. Côté 6 individus et 3 entreprises impliquées. Ces premières sanctions depuis sorti États-Unis dans le rapport iranien-iranien. En suivant un reportage. États-Unis a annoncé plusieurs sanctions qu'il y a avec l'Iran parmi les 6 individus et 3 entreprises visées. D'après l'autorité américaine, individus et entreprises sont impliqués dans diverses opérations financières dans l'intérêt force Al-Qod, qui est le corps élite gardien de la révolution iranienne. D'après l'estimation du département américain, l'agence a été servie pour financer activités malhonnêtes corps élite. Le département américain a souligné tout banque centrale iranienne est complice dans le plan ça. Côté le soutenir réseau ça et puis permettre de gagner accès à plusieurs fonds dans diverses banques étrangères. Ces premières sanctions depuis sortie États-Unis dans l'accord nucléaire iranien, Émirats arabes unis qui s'est allié États-Unis dans la région, salier décision président américain. Dans le pays Kenya, pour Pipiti, 47 personnes perdu la vie, plus passé une quarantaine disparaître après un effondrement qui arrivait vendredi 11 mai 2018. Là. Pour Kenya, c'est courrissio à continuer à rechercher pour établir un bilan des drames. Nous invitons à suivre. Dans le pays Kenya, précisément dans la ville Rift, au moins 47 personnes entrées dans la terre, avec plus passé une quarantaine disparaître vendredi 11 mai. Plusieurs secouristes sont réunis sous place après Dramsa pour chercher les gens disparaître et aider ceux qui sont victimes. Selon la Croix-Rouge kenyane, environ 500 familles touchées après Dramsa ont déjà lancé un appel don pour aider les gens qui sont victimes. La situation s'est venue après la saison de la pluie qui commençait depuis le mois de mars passé dans le pays Kenya. Dans la page Export, sélection mesdames a joué jeudi dans le stade Sidio 14 à 6h30 avec l'équipe Guadeloupe là dans la 4e journée premier tour éliminatoire Coupe du Monde France 2019. À l'étranger, Coupe du Monde 2018, sélectionneur polonais Adam Nawalka publié jeudi vendredi une liste préliminaire 35 joueurs pour Coupe du Monde 2018 là. Nous invitons à suivre. Premier tour, groupe B, zone Caraïbes, éliminatoire Coupe du Monde féminine senior là, cap déroulé dans le stade Silvio 14, ap konnen deuxième journée, jeudi vendredi 11 mai 2018 là. À 4h d'après-midi, formation jamaïcaine nan ki premier dans groupe là à 3 points, goal différence plus 13, ap affronté Martinique qui était sur une défaite de goal à 0 contre Haïti. Sélection nationale là, qui deuxième dans groupe là à 3 points également, mais en goal différence plus 2, ap touke konli à Guadeloupe à 6h30 nan aswe, dans espoir pour li prendre tête groupe là. Travail réhabilitation piste atterrissage airport international Toussaint Louverti avancé. Responsable compagnie Vop de piste ak Azel promet pour y remettre travail là dans mois septembre qui a fini là. Rapport commission bicaméral qui a travaillé sous choix représentant parlement dans conseil électoral permanent déjà déposé dans secrétariat général Assemblée nationale là d'après député circonscription Transcop là Alfredo Antoine. À l'étranger, pays États-Unis annoncé sanctions tout neuf contre Iran après Donald Trump qui ne retire col dans l'accord nucléaire Iran. Dans la page Esport, sélection mesdames a joué jeudi à l'instant Studio 14 à 6h30 avec l'équipe Guadeloupe dans la 4e journée premier tour éliminatoire Coupe du Monde France 2019. Et bien voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans bout li pour aujourd'hui. Nous te prenons pile plaisir informer. Nous invitons à rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bon week-end. Bye bye tout le monde.